أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين Dans notre cours d'histoire du schisme, nous avons eu à parler jusqu'à maintenant du schisme à l'époque de Abou Bakr, le premier calife, même si nous avons commencé depuis l'époque du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons dit que nous sommes en train d'étudier ces différentes époques qui vont nous démontrer que le schisme, compte tenu que l'histoire va nous démontrer que le schisme est l'école authentique de l'islam, que en conclusion, nous devons savoir que l'école schisme n'est pas une école qui est née à l'intérieur de l'islam. Je veux dire que ce n'est pas une école qui est venue après. Lorsque vous allez étudier l'histoire de l'islam et tout ce que nous avons exposé jusqu'à actuellement, vous allez trouver que le schisme veut dire les enseignements authentiques de l'islam. C'est ce que nous essayons de prouver compte tenu des différents événements de, comme on appelle, de l'histoire. Et que, alhamdulillah, nous avons eu à évoquer des objections qui ont été manifestes après la mort du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala et au moment de la direction de Abou Bakr. Nous avons parlé de l'objection et plusieurs réactions de la part des grands compagnons qui étaient proches du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que le dernier de ces compagnons-là que nous avons cité brièvement était Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah de l'Abyssinie. Tout le monde connaît très bien ce grand monsieur qui s'est attaché à l'islam depuis le début, malgré, comme on appelle, son maître qui lui torturait, et que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi, compte tenu du récit historique authentique que nous avons, parce que vous allez trouver d'autres paroles qui vont dire que c'est Abou Bakr qui va lui libérer de la torture de ce monsieur-là. Mais nous avons un autre récit qui va dire aussi que c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi qui va l'acheter et va lui libérer et va lui donner sa liberté. Nous avions parlé de la réaction de Bilal. La réaction de Bilal était une réaction très très une réaction de quelqu'un qui est intelligent, une réaction tactique qu'il a pris vis-à-vis de ce que ses dirigeants de la communauté musulmane ont fait à ne pas respecter le testament du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a refusé de faire quoi? De faire appel à la prière, comme d'habitude, et comme il le faisait à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi. Donc, pour mentionner une situation, ou bien la situation la plus grave, la situation la plus grave
de tout ce que nous avons cité jusqu'à actuellement, c'était la réaction de Fatima Zahra salamullahi alayha. Nous, en tant que musulmans, en tant que croyants, en tant que ceux qui aiment le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque nous allons étudier et prendre en compte les instructions que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a relaté et délivré au sujet de Fatima Zahra salamullah alayha, nous allons comprendre automatiquement n'importe quelle position celle-là va prendre, elle serait sur la vérité. Parce que ces propos qui ont été dits de la part du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, ces propos-là démontrent déjà, sans même faire l'effort de réfléchir beaucoup, pour dire que Fatima Zahra salamullah alayha est une femme de bonne moralité et qu'elle serait sur la vérité quoi qu'il en soit. Ce seul hadith nous suffit. Ce seul hadith nous suffit. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi dit que Fatima est une portion de moi et que quiconque va la mettre en colère, m'aura mis en colère. Et quiconque m'aura mis en colère, aura mis Allah subhanahu wa ta'ala en colère. Donc, de ce point-là, moi je vais mettre une connexion de la colère de Fatima Zahra salamullah alayha concernant des grands compagnons, des proches compagnons qui ont eu à diriger la communauté musulmane, et qu'aujourd'hui le principe de l'école sunnite vient nous dire que tous les compagnons sont justes, que tous les compagnons sont justes. Regardez, lorsque vous allez étudier les propos qui ont été rapportés dans Sahih Bukhari. Dans Sahih Bukhari, tout le monde connaît très bien le livre de Bukhari, une grande référence qui est respectée, que tous les livres dans l'école sunnite après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce livre, ce propos a été rapporté pour dire que Fatima Zahra salamullah alayha s'est mis en colère contre qui? Contre Abu Bakr, et elle a refusé de lui parler. Et elle est restée dans cet état-là jusqu'à elle a quitté ce monde d'ici-bas. Donc, ici, si nous voulons appliquer le hadith dont le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi avait dit depuis au moment de son vivant, alors vous allez voir que ce serait une catastrophe et que nous n'allons pas nous tourner qu'envers celle-là que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi a parlé de ses statuts et de sa bonne moralité à travers ses plusieurs paroles qu'il a dit au moment de son vivant. Donc, Fatima Zahra salamullah alayha encore vient nous démontrer que le schisme, comme les gens le prétendent, dans les différentes visions, pour dire que, pour donner plusieurs visions, en réalité, ces visions ne pourront pas être prises en considération compte tenu de cette réalité que nous avons. Dans le schisme n'est pas, par exemple, n'a pas apparu après
la tragédie de Karbala, ou bien lorsque nous attribuons le schisme à Abdullah ibn Sabah, c'est une très grande erreur. C'est de ne pas connaître le schisme. Et comme je l'ai dit, malheureusement, ceux-là qui parlent du schisme de la sorte, ils n'essaient pas de relater les réalités qui ont été évoquées dans les livres des chiites. Ils essaient de s'attacher à des croyances qui, en réalité, n'ont pas de base, qui n'ont pas de base vis-à-vis de choses, comme on appelle, vis-à-vis de ce que nous avons comme information de l'histoire authentique. Donc, vous allez trouver ce même Sahih Bukhari nous parle beaucoup de choses compte tenu de la divergence entre Fatima Zahra et Abu Bakr, compte tenu de, comment on appelle, la terre des Fadak. Donc ce sont des histoires que nous n'allons pas revenir là-dessus pour perdre le temps encore, parce que déjà nous avons eu à parler de ces événements-là. Donc voilà pourquoi vous allez voir encore, lorsque Fatima Zahra va dire à l'imam Ali, hein, alayhi salam, que elle mourait, il fallait faire quoi? Il fallait l'enterrer en cachette. Et l'imam Ali alayhi salam va faire aussi de la sorte. Hein, va faire aussi de la sorte. Voilà pourquoi, en réalité aussi, dans l'histoire authentique, hein, l'histoire authentique, vous n'avez pas un lieu fixe, hein, qui démontre que voici le tombeau ou bien le mausolée de Fatima Zahra salamullah alayha, puisque l'imam Ali alayhi salam a suivi et a travaillé avec les testaments de cette dame prestigieuse que toutes les dames dans le monde entier. Donc, une fois encore, nous allons trouver maintenant que le schisme, en réalité, c'est la source de l'islam. C'est l'islam authentique qui existait à l'époque du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah, le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même a fait appel à s'attacher à cette voie-là dans plusieurs paroles, lorsqu'il parle de l'imam Ali alayhi salam, lorsqu'il parle des gens de sa maison. Donc, comme je l'ai dit, à l'époque, le schisme à l'époque d'Abu Bakr, c'est dans ses contestations, dans ses protestations et ses objections, les réactions des compagnons à cette époque-là. Depuis la mort du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi à l'époque du commandement d'Abu Bakr. Donc c'est ainsi que cela va continuer encore à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab. Vous savez qu'en réalité, lorsque Abu Bakr va mourir, et avant de mourir, n'oubliez pas, il va faire tout possible de passer le pouvoir à Omar ibn al-Khattab. Et que aussi, Omar, comme vous le savez, au cours de l'histoire, il était un homme qui était sévère, qui était sévère vis-à-vis de celui qui était opposé à ses opinions. Vous avez vu? Donc, cela va faire que lorsqu'il va prendre le pouvoir,
alors la même situation va continuer. La même situation va continuer. Et comme déjà, les temps étaient écoulés et qu'il y avait une stratégie aussi qui était déjà mise en place par l'imam Ali alayhi salam et ses adeptes, qu'on nous appelons les Shia de l'imam Ali. Donc, compte tenu que cette grande personnalité va mettre une stratégie en place pour faire quoi? Pour la propagation de l'islam authentique, il ne va pas trop causer de querelles vis-à-vis de Omar de la manière dont il avait fait à Abou Bakr. Je veux dire que de la manière il a coopéré avec Abou Bakr pour l'union de la communauté musulmane, alors c'est de la sorte aussi il va continuer avec ses adeptes et ses partisans. Et mais de toutes les manières aussi, il était le père spirituel et encore l'enseignant le plus savant des instructions de l'islam. Parce que la parole du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit « Ana madinatul ilm wa aliyul babuha » que je suis la cité du savoir et que Ali était la porte de cette cité-là. En réalité, c'était une réalité. Puisque à l'époque même de Omar aussi, Omar se référait à l'imam Ali lorsqu'il avait des problèmes pour déduire les dispositions et les lois de l'islam. Voilà pourquoi aussi vous allez trouver dans la parole de Omar, qui est bien connu dans l'histoire de l'islam, lorsqu'il dit « Laoula Aliyun la halaka Omar » que si ce n'était pas Ali, si Ali n'était pas présent, la halaka Omar allait périr. Pourquoi? Parce que l'imam Ali alayhi salam, lorsque ce dernier-là, je veux dire Omar, lorsqu'il avait des problèmes pour atteindre aux réalités des instructions de l'islam, c'est à qui il se référait? C'est à l'imam Ali, l'enseignant spirituel de la communauté musulmane. Donc, il a préféré encore. Voilà l'un des aspects de cette époque de Omar, qui dit il a préféré encore de faire quoi? De coopérer avec Omar, de faire un compromis vis-à-vis de Omar pour le bien de la nation. Et nous allons trouver aussi à cette époque-là les fruits de ce compromis, les fruits de cette décision-là que Imam Ali va prendre pour le progrès de l'islam. Nous avons appris dans l'histoire pour dire que la conquête de l'empereur des Perses a été faite à l'époque de Omar. C'était avec le soutien de qui? C'était avec les idées tactiques de guerre de qui? Allez-y étudier l'histoire. Mais malheureusement, cela fait beaucoup rire. Malheureusement, que vous allez voir même qu'il y a des gens qui vont s'attacher de cet événement-là, de la conquête de l'empereur des Persans, lorsque, à l'époque de Omar,
ceux-là vont être conquéris et seront convertis à l'islam. Vous voyez, cet événement sera utilisé pour dire que c'est l'un des événements qui a amené à qui les Iraniens à se rattraper de ce que Oumar les a fait. Or pourtant, vous pouvez aller étudier l'histoire. Chacun de nous est libre. Vous allez voir que ce progrès de la conquête de l'empire des Persans, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'intelligence qu'il a donnée à notre imam, l'imam Ali alayhi salam, et que celui-là avait été concerté par Oumar ibn al-Khattab lorsqu'il avait une vision de conquérir l'empire persan. Donc, voilà encore un autre aspect de l'histoire concernant l'histoire des schismes, que en réalité, beaucoup de choses qui sont cachées, on nous fait croire des choses qui sont le contraire. Est-ce que vous avez vu? Parce que ce vertu-là, en réalité, si vous voulez l'attribuer à quelqu'un, vous devez l'attribuer à l'imam Ali alayhi salam, puisque c'est par sa sagesse que la communauté musulmane a pu conquérir l'empereur des Persans. Concernant l'époque de la Khilafa de Ousmane, qu'est-ce qui s'est passé? Comment était le schisme? Comment était le schisme? Au fur et à mesure que le temps passait, la situation changeait, hein, d'un moment à l'autre. Et que les stratégies aussi de l'imam Ali alayhi salam étaient en progrès. Voilà pourquoi même lorsque à l'époque de Ousmane il y aura beaucoup de divergences, vous allez constater que en réalité il y aura beaucoup de partisans qui étaient pour l'imam Ali alayhi salam. Mais malheureusement aussi, ces partisans-là, on pouvait les diviser en plusieurs parties. Je vais faire seulement allusion à quelques groupes très importants ici. Parce que ici, à cette époque-là, lorsque vous allez dire la chia de l'imam Ali, les partisans de l'imam Ali, il y en a parce que il préférait, hein, que l'imam Ali alayhi salam, en tant que une personne qui pouvait mettre de la justice en place, vienne changer la situation. Mais pas seulement parce que il avait une croyance de l'imamat. C'est-à-dire que cela était encore attaché au bien personnel parce qu'ils ont été privés par Ousmane. Parce que hier, ceux-là, ils étaient attachés, aux autres califes, n'est-ce pas, aux autres califes. Mais lorsque, à l'époque de Ousmane, il y a eu une discrimination, même parmi les Arabes. Parce que vous allez voir, l'histoire va nous démontrer pour dire que Ousmane a privilégié sa famille, les Omayyades, en faisant beaucoup de choses. Parce que lorsqu'il va venir même au pouvoir, il va
dissoudre beaucoup de dirigeants des villes que Umar avait nommées. Et après cela, il va, par exemple, il y a Hakam ibn al-As qui était quoi? Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi avait expulsé à Taïf, dans la ville de Taïf. Le prophète lui avait fait sortir de Médine, et cette personne-là, c'était une sorte de punition, hein, de la part du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui envoyer qu'il sorte de la ville de Médine et qu'il est resté à Taïf. Mais lorsque Ousmane est venu au pouvoir, Ousmane lui a fait revenir où ça? Dans la ville de Médine. Contre quoi? Contre la décision du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi. Donc, il y a des aspects comme ça qui se sont déroulés à l'époque de Ousmane. Donc, ce qui va nous démontrer encore que tous ceux qui vont privilégier en ce moment-là l'imam Ali, ceux qui vont préférer, disons comme ça, ceux qui vont préférer l'imam Ali, la direction de l'imam Ali, hein, que l'imam Ali vienne au pouvoir, ne seraient pas les chiites de la, pardon, ne seraient pas 100% des chiites de la manière dont ceux-là qui étaient avec l'imam Ali depuis le début. Est-ce que vous avez... Donc ici, quand même, il y a un décalage que, en réalité, chacun de nous peut approfondir une recherche là-dessus, puisque encore, vous allez voir à cette époque, le mot Shi'at Ousman va apparaître. Shi'at Ousman va apparaître. Shi'at Ousman, ça veut dire quoi? Les partisans de Ousman, les adeptes de Ousmane, ceux qui étaient pour Ousmane, que ce qu'il est en train de faire était normal. Bon, ceux-là aussi qui vont trouver leur intérêt bafouillé, hein, vont se tourner maintenant vers l'imam Ali, alayhi salam. Et que lorsqu'il y aura cette divergence-là et que ça va chauffer au sein de la communauté musulmane, nous avons dit que l'imam Ali alayhi salam va même intervenir pour être le médiateur entre ceux qui se sont opposés à Ousmane, hein. Il va essayer de les calmer, mais malheureusement, ceux-là ne vont pas écouter ce que le prophète, ce que Ali alayhi salam va les demander lorsque lui et son fils, l'imam Hassan et l'imam Hussein, parce qu'en ce moment-là, toutes ces courses de médiation, c'était ces trois-là. À la tête d'eux, il était l'imam Ali alayhi salam. Donc, tout ça là pour dire que le schisme a eu des étapes différentes, que l'époque des Ousmane va amener à une nouvelle ère, une nouvelle période qui va faire quoi? Qui sera la cause, ou bien que nous allons avoir des causes qui va pousser les gens à voter pour l'imam Ali lorsque Ousmane sera assassiné. Vous avez vu. Donc, ces causes qui vont pousser ceux-là à assassiner Ousmane, ces causes-là sont récitées dans le livre d'histoire, et à la tête de ces causes-là, la discrimination et le gaspillage, hein, de l'argent des musulmans qui seront causés par les Omayyades à l'époque des
Ousmane et que cette situation va préparer l'avènement de la succession à la khilafa de l'imam Ali alayhi salam. De ce point, nous allons nous arrêter, inshallah, walhamdulillahi rabbil alamin.